Bienvenue au starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ne perdez pas courage. Le manque de courage ou le découragement plus exactement guette chaque personne. Parfois, nous sommes découragés à cause d'un conflit, nous sommes découragés à cause du travail, à cause d'une mauvaise ambiance dans notre job, nous sommes découragés parce que notre société ne fait pas le chiffre d'affaires qu'elle devrait faire, nous sommes découragés parce que nous n'arrivons pas à développer notre appel pour Dieu ou parce que ça fait trop longtemps que je suis célibataire ou des problèmes avec mes enfants. Bref, le découragement guette chaque personne. Et la Bible nous dit qu'un jour, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, lui-même a été découragé au point, il dit ceci, qu'il pensait perdre la vie. Il ne pensait pas rester vivant. Et puis, il va donner une des clés, la clé, je crois, qui est extrêmement importante, que nous devons réaliser et qui est pour chacun d'entre nous. Il va dire ceci, mais nous avons reçu le ministère du Saint-Esprit. Et je crois que le ministère du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en exercice dans nos vies qui nous encourage. C'est pourquoi il dit, nous ne perdons pas courage grâce à ce ministère du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, quel que soit le découragement qui vous environne, sachez que le Saint-Esprit se tient à vos côtés. Il est en vous, il est devant, il est derrière, il marche à vos côtés, il ne vous abandonne pas. Jésus est parti au ciel, mais il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé son esprit afin que nous puissions être encouragés pendant des moments de découragement. Alors aujourd'hui, je t'encourage, si je puis dire, je t'encourage à te tenir devant Dieu et à demander à l'Esprit de Dieu de t'envelopper, de te redonner la force nécessaire pour aller de l'avant et vivre tout ce que Dieu a prévu pour toi, même si c'est compliqué. Ça arrive que des moments c'est compliqué, c'est ça, c'est la vie, mais le Saint-Esprit est à nos côtés et il nous aide. Que Dieu vous bénisse les amis et à bientôt. Bye bye.